Vendredi 10h, rendez-vous est pris pour la comparution initiale de l'ex-général serbe Ratko Mladić à La Haye, qui devra dire s'il plaide coupable ou non coupable. Pour le procureur du tribunal pénal international sur l'ex-Yougoslavie, le procès de l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie revêt une importance historique. Il est clair que l'arrestation de Mladić aujourd'hui donne le signal clair et fort qu'il n'y a plus de place pour l'impunité et que tôt ou tard, ceux poursuivis pour des crimes de guerre, pour le génocide, pour les crimes contre l'humanité, doivent faire face à la justice. Interpellé le 26 mai, Ratko Mladić, 69 ans, a été extradé hier soir par la Serbie vers les Pays-Bas. Serge Brammertz a estimé que les ambitions européennes de Belgrade avaient joué un grand rôle dans son arrestation. Tout en saluant la coopération serbe, il a promis que tous ceux qui avaient aidé Mladić au cours de sa cavale de 16 ans devraient répondre de leurs actes. Ratko Mladić va être jugé notamment pour le massacre de 8000 musulmans bosniaques à Srebrenica en juillet 1995 et pour les 43 mois de siège de Sarajevo.